du cours de thérapie pneumatique porte sur le sixième et dernier chapitre du livre du docteur Massamba, livre intitulé « Le Saint-Esprit interroge les esprits ». Et à mon humble avis, c'est le tout premier livre d'un pasteur psychothérapeute qui répond de façon systématique, claire et précise aux problèmes qui se posent aujourd'hui dans le milieu de prière, de réveil, problèmes concernant les traitements de possession démoniaque. Et le thème ou le sujet thérapie pneumatique est une création de votre professeur, Dr Diafoula, mais cette création était basée sur le titre, parce que dites, c'est le Saint-Esprit, nomme l'Esprit, interroge les esprits. Alors c'est comme ça que j'ai créé un cours de thérapie par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de vérité, et toute la recherche de Dr Massamba pointe vers justement la mise au point des pratiques pastorales et évangélistiques et missiologiques pour arriver à traiter ces pratiques pastorales pour arriver à traiter de façon efficace et biblique, le problème des gens qui se disent possédés ou attaqués par des esprits maléfiques. Donc, nous allons à le sixième chapitre qui porte l'étude de mission de l'Église africaine au troisième millénaire. Parce que la thérapie, justement, pneumatique se développe à l'intérieur de l'Église, mais pour l'Église et le monde. Alors, ce dernier chapitre comprend trois sections. Quelques champs de recherche, première section. Vivons notre spiritualité sans compromission, deuxième section. Étude de deux cas sur la libération, troisième et dernière section. Alors, le chapitre commence à la page 166 et va jusqu'à la page 196, disons jusqu'à la page 204. Introduction de ce chapitre, mission de l'Église africaine au troisième millénaire. Alors, ce livre s'écrit au troisième millénaire. Quelle est la mission de l'Église? Et quels sont les nouveaux champs pastoraux? Il commence par une citation d'un grand missiologue sud-africain qui s'appelle David Bosch et qui a écrit de très bons livres de missiologie. J'ai un de ses livres dans ma bibliothèque, je vais vous le montrer. Et si vous avez la grâce de lire cet auteur, il faut vraiment aller lire. Moi, en tout cas, j'ai déjà donné un cours de missiologie quand missiologue, c'est lui, David Bosch. Voilà, il a écrit beaucoup d'ouvrages, dont celui-ci qui est très très populaire dans le monde anglo-saxon, Transforming Mission, transformer la mission, Paradigm Shift in Theology of Mission, changement de paradigme en théologie de la mission. Alors, voici ce que David Bosch a écrit, entre autres citations que Massamba reprend au début de son sixième chapitre. La mission à laquelle nous sommes appelés est Missio Dei, Missio Dei, mission de Dieu, qui purifie les. La mission à laquelle nous sommes appelés est Missio Dei, mission qui purifie les missiones ecclesia. Les missiones ecclesia, les missions de l'Église, c'est-à-dire le programme missionnaire de l'Église. La Missio Dei purifie l'Église, purifie les missiones ecclesia et oriente la pratique pastorale de celle-ci. Et c'est là que
Massamba va situer la mission au cœur de l'Église. L'Église est d'abord et avant tout missionnaire. Hein? Nous avons reçu le mandat missionnaire de la part de Jésus, qui a dit même à ses disciples, « Puisque le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il a soufflé sur eux, puis les a envoyés. Et nous savons, dans Matthieu 28, 18, 20, comme dans Marc 16, 15, le mandat est très clair. Allez faire de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Donc, la mission de Dieu est la mission de l'Église. Une Église qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Et c'est dans le cadre de la mission de l'Église que nous avons le lourd fardeau de repenser toute notre manière d'évangéliser, n'est-ce pas, de prier, de faire le ministère, de chanter, etc., pour que toute notre manière de chanter, toute notre manière de prier, toute notre manière de prêcher soit missionnaire, mission qui délivre, qui sauve, qui touche les gens. Il est donc clair que la mission est un champ à plusieurs valeurs, nous dit Massamba à la page 168. Et le problème réside dans la transplantation et l'actualisation de la mission. Comment transplanter, c'est-à-dire planter dans des endroits différents la mission. Voyez-vous, l'Église missionnaire qui est arrivée en Afrique n'a pas pensé à faire de l'Église africaine une Église missionnaire. Aujourd'hui, cette Église aurait pris en charge toute la mission en Occident, puisque l'Occident est maintenant en panne de mission. Elle est sécularisée, et elle a le moyen matériel, mais n'a pas le moyen spirituel, et n'a pas le personnel spirituel. Alors, il démissionne et dit, on ne peut rien, la plupart des missions ont démissionné pour aller en Afrique, parce que l'Afrique est très évangélisée maintenant, mais il y a la mission ici, au Canada. Il y a la mission, et plusieurs nations du monde arrivent en Occident et la plupart de beaucoup de gens qui arrivent ne sont pas évangélisés ou viennent avec d'autres religions pour, n'est-ce pas, faire du prosélytisme. Ils utilisent même le moyen érotique, sexuel pour gagner les gens au bouddhisme, à l'islam, etc. Ils utilisent toutes les méthodes charnelles possibles. Alors c'est dans ce cadre-là que la mission Dei devient de plus en plus une urgence. Il est donc urgent, nous dit Massamba, de mener des études approfondies avec une approche interdisciplinaire, notamment dans le domaine suivant, qui constitue de nouveaux champs de recherche missiologique et pastorale. Voici les domaines qu'il nous propose pendant ce 21e siècle. Premièrement, l'oppression politique. Massamba a fait des études politiques et a créé même un parti politique. Et parfois, il s'est engagé beaucoup plus en politique, tout en étant pasteur. L'oppression politique, l'oppression culturelle, l'oppression socio-économique, leur impact sur la vie spirituelle, les relations interhumaines, la santé physique et mentale, afin de trouver le moyen de s'en débarrasser. Comment se débarrasser des oppressions politiques, culturelles et socio-économiques? Deuxième champ de recherche, le conflit interethnique et leur impact sur la stabilité nationale, même les conflits intertribal et même les conflits interfamiliaux. Comment, du point de vue entre les tribus, comme prenons dans un coin où il y a, comme à Kasaï, il y a les Baluba, il y a les Basongé, il y a les Kanyoka, et puis il y a l'autre tribu, le Kanyoka, le Baluba, le Basongé, les Batetila. Comment faire qu'il ait des relations transculturelles, intertribales, pour bâtir une nation, bâtir d'abord une province, puis une nation. Et là, les provinces sont littéralement divisées en petites tribus aujourd'hui au Congo. Je parle du Congo, Kinshasa. Oui. On risque de retourner aux divisions tribales qui n'ont pas de sens
Parce que cette division ne pointe pas vers le développement. Hein? On risque de reculer vers la sauvagerie aliénante du passé, sauvagerie qui a ouvert la porte à l'entrée de l'esclavagisme et du colonialisme. C'est encore une autre problématique. D'où la nécessité d'étudier non seulement des conflits interindus comme les demandes de Massamba et leur impact, mais aussi les voies de dialogue interethnique, les voies de brassage interethnique, les voies de construction de ponts transethniques, trans-tribales, transculturels, translinguistiques. Comme dans ma province, je suis né moi dans une autre tribu de ma province, mais à la langue, je parlais toutes les variantes linguistiques de ma province. Donc, il y a le problème de l'oppression politique, culturelle, socio-économique et leur impact dans la vie spirituelle, dans les relations interhumaines. Le problème socio-économique a un grand impact sur le plan spirituel. Les conflits interethniques et leur impact sur la stabilité nationale. Aussi sur la santé physique et mentale des collectivités et des individus. La lecture existentielle des rêves et des imaginations des hommes et des femmes de notre époque, leur impact sur la santé mentale, physique, relationnelle et spirituelle. Et enfin, les vécus spirituels quotidiens des chrétiens africains en rapport avec l'évangile, la culture traditionnelle, la culture spirituelle. Et vous voyez dans son livre, par exemple, la technique de palabre thérapeutique a été inventée en tenant compte de dimensions culturelles dans lesquelles vit ou qui entre en jeu, dans lesquelles vit l'individu qui se plaint de tel ou tel problème psychologique et spirituel. Hein, et ces dimensions entrent en jeu dans cette souffrance de l'individu, dans cette détresse de l'individu. Pour clore son introduction, qui s'ouvre sur trois champs de recherche et d'intervention relatifs à la mission actuelle de l'Église africaine, il nous donne la remarque suivante. Le champ sémantique du terme mission, qui implique voyage physique, mental, nous fait penser à la rencontre de la différence, découverte de ce qui se situe en deçà et au-delà des parenthèses d'une histoire et d'une culture. Autrement dit, il y a le fait qu'il y a, il faut reconnaître la différence, l'altérité dans la mission. Et c'est là le fait que partout où nous sommes en mission, même à l'intérieur de notre propre culture, nous traversons un monde de différence. Vous voyez, hein? Différence individuelle, différence culturelle, différence tribale, différence de classe sociale, etc. Les missionnaires et les pasteurs sont envoyés par l'Église de Jésus-Christ pour pénétrer les différentes cultures, les différentes personnes et personnalités, les différentes classes sociales, etc. Mission veut dire accepter d'entrer en contact avec différentes personnes et différentes cultures. Ceci dit, voici quelques champs de recherche et d'intervention pastorale. Premièrement, les champs de recherche pastorale herméneutique. Ici, il veut insister sur le fait que l'Esprit Saint est paradoxalement nous met en face des forces spirituelles occultes qui semblent résister même à la foi de l'Église, telle que traditionnellement conçue. Et cette résistance apparente nous oblige à chercher à comprendre l'herméneutique, la science de la compréhension. Vous voyez, hein, la recherche du sens, c'est à nous poser la question, mais que signifie ce phénomène? Vous voyez, de ces esprits qui parlent, de ces esprits qui visitent les gens dans les rêves, des gens qui se disent mariés à de femmes de nuit, ou des femmes qui se disent liées à des hommes. Que signifient ces choses? Une lecture herméneutique solide
Nous ne devons pas démissionner devant ce fait. Et tout thérapeute pneumatique doit être un hermeneute, c'est-à-dire une personne qui discerne les esprits. Oui, discerner, qui cherche, mais avec quel esprit je fais affaire. Et c'est très important, c'est un exercice qui nous conduirait à une meilleure appréhension de la signification de cette Sainte Écriture concernant justement le phénomène de possession, parce que les Écritures en parlent de bout en bout. La parole de Dieu en parle. Et en même temps, au sujet de Satan, la parole de Dieu en parle depuis les premières pages du livre de la Genèse. La parole de Dieu parle clairement de Satan. Et nous voyons dans l'histoire de Job que Satan n'était pas du tout une blague, ni un mythe, ni une légende. C'est très clairement dit que c'est lui qui venait déranger Job, le tourmenter. Donc c'est nécessaire pour nous, dans la mission de Dieu, n'est-ce pas, que Dieu nous donne, d'avoir un sens herméneutique, je dirais, c'est-à-dire un sens de recherche du sens, de la signification profonde de ce qui se passe. Parce que tout ce qui se passe sont des textes, vous voyez, que ce soit les rêves, ce sont des textes oniriques, n'est-ce pas? La personne qui vous parle, il vous dit un discours, il faut chercher la signification du discours. Pourquoi cette personne dit que la nuit, elle est mariée à un mari de nuit? Que signifie cela? Vous voyez, notre mission fondamentale est de chercher la signification pour mieux de ces choses, pour mieux accompagner les gens et leur amener à se libérer. Donc c'est un champ pastoral, herméneutique, très important. Alors pour l'heure, comme le dit Massaba, nous sommes de plein pied dans une culture de l'esprit. Et ça, ça me renvoie à un théologien orthodoxe qui a écrit un livre, je pense c'est Clément Olivier, juste vers la fin des années 80, la révolte de l'esprit. Nous sommes à une époque où l'esprit agit. N'oubliez pas que Jésus a dit dans Acte 2, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et quand l'esprit arrive, la première chose qu'il fait, c'est déloger tous les faux esprits, tous les esprits maléfiques. Alors je me pose la question, est-ce que la manifestation des esprits maléfiques n'est-elle pas due au fait que l'esprit arrive maintenant et fait pression sur la terre pour préparer l'avènement de Jésus-Christ? C'est une question que je me pose. Pour ceux qui suivent mes prédications, mes conférences, le livre de Daniel et d'Apocalypse, ils savent de quoi je parle. Alors donc, important que le pasteur soit un donneur de sens et non pas un suiveur de faux dieux et de fausses interprétations. Nous devons discerner les esprits. 1 Jean 4:1. Discerner les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. S'ils ne sont pas de Dieu, nous devons discerner comment les déloger, les chasser au nom de Jésus-Christ. Alors, d'où la nécessité de bien connaître l'être humain, et quand vous l'écoutez, il parle, et il parle de ce qui le tient à cœur. Et souvent, comme disait encore un spécialiste en études de sorcellerie en France, Jean Favre Sada, il a dit, en sorcellerie, quand c'est la parole, c'est la guerre. Et ces gens qui se disent en sorcellerie, ou d'autres qui viennent chez le pasteur, ils disent, je suis sorcier. Ils sont en guerre. Ils sont victimes des attaques sophistiquées de l'imposteur, n'est-ce pas, du prince du monde des ténèbres. Nous devons donc savoir comment, quelle thérapie efficace convient pour les libérer. Alors, la définition de l'être humain vient de Dieu et non pas des yeux corporels de l'homme, donc, et du programme de Satan. Par conséquent, que le charlatan ne puisse pas prendre une grande place dans nos églises, dans nos cellules, dans nos maisons, pour définir la situation et l'identité des gens qui sont en proie aux esprits démoniaques.
Soyons alertes là-dessus et formons le meilleur pasteur qui sont nés de nouveau, qui ont un appel sérieux et authentique de la part de Dieu pour paître le troupeau du Seigneur, prendre soin du troupeau du Seigneur. Et ces pasteurs sont des hermenotes. Ils sont à l'écoute de Dieu, à l'écoute du prochain, de leur souffrance. Et par la grâce de Dieu, ils ont les instruments intellectuels et spirituels nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans le cœur de l'individu, dans la vie de l'individu, et savoir comment réagir pour libérer les oppressés et les opprimés. Deuxième champ de recherche, les champs de recherche en pastoral symbolique. Souvent, quand les gens viennent nous parler, ils parlent des ancêtres, ils parlent des esprits, ils parlent des attaques démoniaques, avec des rêves, avec des visions. Nous sommes dans un champ de recherche symbolique. Il y a pas mal de symboles. Et un grand herméneute protestant du nom de Paul Ricoeur a dit « Les symboles donnent à penser ». Jésus parlait souvent en paraboles et en symboles. Lorsque nous entendons ces paraboles, nous savons que Dieu va nous parler, nous aider à comprendre la symbolique du langage du possédé. Et c'est très important. Alors, et parfois nous devons aller apprendre à comprendre la symbolique dans une culture bien déterminée. Chaque culture a ses symboliques, son langage symbolique. Alors, un souvenir, un nom, un symbole donnent souvent signification à l'existence de l'individu. Par exemple, Pierre s'appelait Simon avant de rencontrer Jésus. Et Jésus lui a dit, tiens Simon, oui, tu vas devenir Pierre. Faites la recherche, vous allez voir la différence. Et avec ça, Dieu a changé toute sa vie. Josué, la même chose, lui a donné ses nouveaux noms par Moïse. Faites l'étude entre l'ancien nom de Josué et le nouveau nom qu'il a reçu. Abraham est devenu Abraham. Saraï est devenu Sarah. Que cela symbolise sur le plan spirituel? Alors c'est très important de le savoir. Vous voyez? C'est très important. Alors, nous devons chercher à utiliser ce symbole à la manière de Christ pour, n'est-ce pas, parvenir à provoquer ce que nous appelons le changement de la vie des personnes qui nous touchent. Parce que quand Abraham est Abraham, il y a un changement. Abraham, le stérile, n'était plus le même quand il est devenu Abraham. C'est fini, Abraham, le découragé, n'était plus le même. Abraham, le Mésopotamien, n'est plus le même. Abraham, c'est le père de multitudes. Et Saraï, devenue Sarah, n'est plus la même. Elle a pu concevoir, elle qui était stérile de naissance. Voyez-vous, il y a un changement profond. Il y a la métanoïa individuelle, comme on dit dans ce livre, la métanoïa individuelle ou collective, en effet, est souvent le résultat d'un changement de nom. On peut changer le nom d'un village, d'une ville. Je me rappelle quand on avait changé le nom de Congo en Zaïre, il y avait un changement de mentalité et tout. Zaïre, fleuve, Jésus, monnaie, Jésus. Mais toute la mentalité des gens veut changer. Et les gens ne savent pas. Et beaucoup d'enfants qui sont nés de Congo-Zaïre, ils ne sont pas de même nature que nous qui sommes nés au Congo belge. Je ne dis pas qui est meilleur, mais on n'est pas de la même nature historique. Vous voyez, et c'est important de le savoir. Et maintenant, quand on est né de nouveau, chaque fois on reçoit un autre baptême. Mais ce nom nous marque une nouvelle vie, marque une nouvelle direction. Souvent, on recevait un nom au baptême. Vous voyez, alors la métanoïa individuelle ou collective, en effet, est souvent résultat d'un changement de nom, c'est-à-dire du sens de la vie qu'il apporte au nouveau nommé. Abraham devient Abraham, Genèse 17:1. Saraï, son épouse, devient Sarah. C'était ici. Et Saul, rempli du Saint-Esprit, n'emploie plus son nom hébreu, mais son nom romain de Paul. Acte 13:9.
Ces changements symboliques, en un sens, nous devons étudier que signifient les noms, que signifient les symboles dans telle ou telle culture. Il y a des symboles qui ont un sens démoniaque, comme le serpent, etc. Il y a des symboles qui ont un sens tout à fait divin. Il y a des symboles qui amènent la bénédiction, il y a des symboles qui amènent la malédiction. Il y a des symboles qui amènent la possession, il y a des symboles qui amènent la délivrance et la bénédiction. Comme il y a des noms comme ça. Comme quelqu'un qui est né, puis on l'appelle Noki. Voilà. Donc, ou bien Tsingulu, donc maudit. Alors, pourquoi on lui donne un tel nom, Tsingulu? Alors, on va essayer d'expliquer l'histoire, comment il était né et tout ça, ou Lufwa, etc. Vous voyez? Quelqu'un est né, bon, la mort, d'œuf. Ah, il s'appelle qui? La mort. Ouh. Mais quand on dit la vie, oh, c'est différent. La joie, oh, qui est-ce? Hein? Esengo. Hein? Comment il s'appelle? Esengo. Vous voyez, même à l'intérieur d'une culture, on peut trouver des symboles qui orientent vers le bonheur. Il nous faut donc donner, même à la liturgie, à la Sainte Cène, ou l'Eucharistie, donner un nouveau sens. Qu'est-ce que la Sainte Cène signifie par rapport à ce combat que nous avons? La liturgie de prière, l'imposition de mains, chasser les esprits, lier les esprits, etc. Qu'est-ce que cela signifie? Comment amener le gens dans un culte à résister au diable et à se soumettre à Dieu? Et le diable va fuir loin de nous, au lieu que le diable vienne trouver un terrain de récréation et d'action dans une église locale, en divisant l'église, en amenant beaucoup de péchés dans l'église. Voyez-vous, c'est important pour nous de comprendre ce symbole. Un autre champ de recherche, à part le champ que je viens d'évoquer tantôt, c'est-à-dire le champ, le premier champ qui est le champ de la recherche herméneutique, le champ, deuxième champ, le champ de recherche symbolique, il y a le champ de recherche et de formation en pédagogie pastorale. L'éducation chrétienne est négligée même dans les églises de réveil. On n'enseigne pas aux gens la parole de Dieu de couvert à couvert, depuis Genèse. Quelle est la première doctrine de la parole de Dieu? Souvent, on est l'église, on n'en parle même pas. Puis les gens croient en l'évolution comme si c'était vraiment une vérité scientifique définitive, alors qu'en science, il n'y a pas de vérité définitive. La Bible commence par « Au commencement, Dieu créa ». Dieu créa. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. On lit en hébreu. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. La première doctrine de la Bible, c'est la création. C'est pas le salut, la première doctrine. C'est la création. Nous sommes sauvés. Dieu vient nous sauver parce que nous sommes ses créatures. Création, image, assez ressemblable. Alors, beaucoup de chrétiens ne parlent pas de Dieu créateur du ciel et de la terre. Or, le Dieu tout-puissant est Elohim, créateur du ciel et de la terre, de tout l'univers. Il est maître de tout l'univers parce qu'il a créé. La création se trouve au cœur même de la rédemption. Alors, et le péché, il faut bien enseigner aux gens comment le péché est entré dans le monde. Le salut, l'élection d'Israël. Vous voyez? La doctrine des démons, de Satan, la démonologie, la satanologie, doit être bien enseignée bibliquement. La doctrine des anges, des chérubins, depuis Genèse 3, le dernier verset de Genèse, on parle de chérubins, clairement, plus clairement, avant de parler de Satan. Satan, c'est symbolique avec les serpents, dans le chapitre 2, mais les chérubins, c'est clair. L'armée de Dieu, les chérubins, les gardiens de la gloire de Dieu, les chérubins, les séraphins. Il faut un cours de chérubinologie, un cours de séraphinologie, un cours d'angélologie, d'archéangélologie, un cours de christologie dans l'Église même, enseigner qui est le Christ avant l'incarnation, pendant l'incarnation et après l'incarnation. Un cours de pneumatologie du Saint-Esprit, l'Esprit Saint depuis le Genèse 1. On voit l'Esprit de Dieu au-dessus du chaos. L'Esprit, nous devons enseigner la présence, l'omniprésence du Saint-Esprit dans tout l'univers. Alors, la pédagogie, nous devons être des pédagogues, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'éduquer les gens à partir de ces
qu'ils connaissent pour les amener vers ce qu'ils ne connaissent pas. Le pasteur est tenu à développer des capacités pédagogiques. Quand quelqu'un arrive, puis il ne dort plus, puis il est agité tout le temps, puis il ne croit plus à la puissance des démons, il meurt faute de connaissances. Il ne connaît pas bien la puissance de son Dieu. Je me rappelle toujours de mon père, une fois que j'étais attaqué par le prince de ce monde terriblement, alors que j'étais jeune, puis il m'a dit, « Mais tu es en Christ, c'est lui qui est en toi plus fort. » Puis il m'a expliqué, ça m'a réveillé. Le pasteur est tenu à développer des capacités pédagogiques et celles-ci vont l'aider à participer positivement au palabre familial. Il doit bien connaître les coutumes des gens, il doit bien connaître leur culture, et bien connaître la Bible, connaître le monde des esprits. Il doit être rempli du Saint-Esprit. Alors, en RDC, lui, si l'on consacre généralement au sommeil 16 ans, sur les 46 années de notre espérance moyenne de vie, estimation de vie en RDC en 1998, il n'est pas moins vrai que pour la plupart d'entre nous, le sommeil demeure un grand inconnu. Beaucoup de gens ne dorment pas bien. Le ronflement, l'altération des mouvements du corps et de l'esprit, le somnambulisme et les rêves qui accompagnent le sommeil nous fascinent, nous effraient à la fois. Les activités des démons, voire celles des sorciers et des esprits malveillants, souvent associées à notre vie onirique, nous empêchent souvent de découvrir d'autres significations possibles à partir des faits qui constituent les activités normales, et beaucoup de Congolais ne dorment pas bien. Le sommeil donc devient non seulement le moment privilégié de notre repos et de la reconstitution de notre corps pour sa survie, mais également un espace net des expériences qui créent des spéculations, de l'angoisse. Le sommeil peut devenir un temps de guerre. Et c'est pour cela que je vous conseille, tous les étudiants de mon cours, de bien suivre le cours sur le sommeil que donne le docteur Massamba dans ses livres. Je veux rapidement les donner dans la 16e leçon qui va suivre.